Let's go! Des tricheurs partout. Eh bien, il s'avère que les enfants participent à un concours de mode. Voyons voir les modèles uniques. Démarrage. Fabriquons cette tenue. Je vais nous trouver du matériel. Nous gagnerons si nous réussissons. Je sais ce qu'il faut faire. Faites-moi confiance, cela fera l'affaire. À votre avis, les actions de Lucie et de l'équipe Piggy sont-elles bonnes ou mauvaises dans le cadre d'une compétition? Oh non! Casper? C'est presque l'heure du spectacle et nos costumes sont ruinés! On peut faire quelque chose avec ça! Voyons voir comment les idées des Sœurs Cat et des autres équipes ont été présentées lors du concours. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les conséquences de la tricherie de Lucie? Prochainement, Wolfo! Ensuite, Piggy et Nancy! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as copié le travail de Kat, alors j'ai copié le tien. Lucie, tu as triché? L'heure des résultats. Félicitations, vous êtes les gagnantes. Ils ont gagné parce que leur tenue se distinguait le plus, oui. La victoire revient toujours à ceux qui la méritent, n'est-ce pas? Oh non, pourquoi Lucie porte-t-elle un masque? Hein? Le visage de Lucie a tellement de boutons. Ne l'applique pas sur ton visage, Lucie. Les deux candidates qui accèdent à la finale du concours de beauté sont la princesse Lucie et la princesse Dolly. Nancy est tellement abattue que son nom n'est pas prononcé. Lucie a l'air méfiante. Bonjour. Il me faut quelque chose pour me rendre encore plus belle. C'est fou ce que l'on peut trouver comme produit cosmétique. Un tel éventail de produits cosmétiques est éblouissant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, Lucie n'a pas encore demandé la permission à la fée Kat. Voyons maintenant ce qu'il en est. La beauté de Lucie s'est-elle améliorée? Huh?
Oh non! Dépêche-toi, ou tu vas être en retard pour le dernier round. C'est donc la raison pour laquelle Lucie porte un masque mystérieux. La gagnante est... Princesse Lucie. Ce n'est pas bon. Lucie! Tu ne devrais pas mettre un produit que tu ne connais pas sur ton visage. Vous l'avez tous mémorisé? Là où tu es belle, c'est quand tu es vraiment toi-même. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Le drive-in de Lucie. Eh bien, voyons comment Lucie et Nancy vont démontrer leur talent de vendeuse. Ici. Hamburger. Soda. Oui. Nancy, prépare un soda pendant que je fais le hamburger. Vous voyez les actions de Nancy comme ça? C'est bien ou c'est mal? T'as déjà tout bu! On va voir si t'es si doué que ça! Sandwich. 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 Hamburger. Hamburger. Lucie est vraiment géniale. Avec autant de commandes, elle a quand même eu le temps de les préparer. C'est ta commande. Paye toi-même. Soda. Juste parce qu'elle ne pouvait pas travailler avec Lucie, Nancy a imaginé de mauvais jeux pour perturber Lucie. Vous voyez bien, si Nancy avait accepté de jouer le jeu, il n'y aurait pas eu de telles conséquences. Je suis désolée. Tu as gâché le jeu de tout le monde.
Je te pardonne si tu nettoies tout ça. Wolfou dans une école de filles. Je peux jouer avec vous? Qu'y a-t-il d'intéressant dans une école de filles? Explorons, les amis. N'ayez pas peur. Oh, Wolfou est un véritable héros dans le cœur de chacun. C'est Wolfou, notre nouvel élève. Par ici, Wolfou! Hé, hey, c'est le siège de Wolfou! Qui peut résoudre ça? Moi, moi! C'est correct! Faisons deux équipes! Fais équipe avec moi! Non, il sera dans mon équipe! Oh non! Qui sera dans l'équipe de Wolfou? Regardez, Wolfou joue si bien au tennis. C'est quand même mon frère. Stop! Qu'est-ce que vous faites? Et oh non! Les enfants se sont battus pour Wolfou, ce qui a provoqué la déchirure de sa chemise. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas jouer tous ensemble plutôt que de vous battre tout le temps? On est désolés! Les gars, amusons-nous et entendons-nous bien! Pourquoi y a-t-il tant de zombies? La ballerine zombie. Peux-tu deviner la mission des deux zombies? Victoire! La prochaine fois, les zombies gagneront la bouteille magique. On va gagner, c'est sûr! Je peux jouer avec vous? Eh bien, voyons voir, avec l'apparition de Lucie, à ce jeu, qui sera vaincu? Oh non, que prépare Zombie Wolfou? Non!
Bonjour. C'est un zombie. Non, c'est juste un costume. Cette ballerine zombie semble avoir fait un excellent travail. Victoire! Oui! Quel super plan! Beau travail, les copains! Si vous étiez Wolfo, quel serait votre plan pour cette mission? Où y a-t-il tant de mariés? Wolfo avec 100 mariés. On va gagner, c'est sûr. Elle n'a pas l'air très bien. Elle ne va pas pouvoir assurer la pièce. Voyons ce qu'il en est. Quelle est la solution de Wolfo? Comme vous le savez, j'ai besoin d'une fille pour rejoindre ma pièce. C'est aussi une chance d'être très célèbre. Si j'ai le rôle, on aura les plus beaux costumes. Suivante. On y va. Stop! C'est mon rôle. Tu es malade. C'est à moi. Donne-nous une autre chance. Oh non, les choses se compliquent à nouveau. Quel sera le choix de Wolfo? Chercher Wolfo. Trouvé. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Mais vous êtes trop nombreuses. On veut le rôle principal aussi. Hey! Vous voyez cela? Si tu t'amuses avec des amis sans tolérance, tu ne t'amuseras pas du tout. Hey! Hey! Wow!
La prochaine fois, vous auriez dû rester calme plutôt que de faire n'importe quoi. On est désolés. Et quant à la pièce, j'ai décidé de donner un rôle à chacune d'entre vous. Lucie adore la baignoire arc-en-ciel. Quoi ? Que va faire Lucie ? Arrête ! Non ! Trop beau ! Je veux une baignoire arc-en-ciel aussi ! Êtes-vous curieux de connaître la baignoire arc-en-ciel de Lucie ? Je peux en avoir une ? Ouais. Quoi ? Lucie ! Pourquoi ? Je veux juste une baignoire arc-en-ciel. Violet, vert, jaune, orange, rose, bleu. Toutes les couleurs forment un magnifique bain arc-en-ciel. Si tu fais ça, l'eau va être sale et tu pourras plus t'y baigner. Je veux prendre un bain. Permettez-moi. Et permettez-moi. Oh non. C'est aussi une bonne occasion pour les bactéries de se multiplier. Cela provoque chez Lucie une réaction allergique très nocive pour la peau. Vous voyez que les conséquences sont effrayantes. Je ne jetterai plus rien dans la baignoire. À vos souhaits. Qu'est-ce qui fait courir Wolfou si vite ? La grande tornade. Je vais te battre cette fois. Ah ah, voyons voir qui va gagner. 1, 2. Biffo, Wolfou, montez dans la voiture. Ton père t'attend, viens vite. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher ici? Une grosse tornade arrive. C'est l'endroit le plus sûr pour nous. Qu'est-ce qui fait si peur avec cette tornade? Je parie que je peux la battre. Eh bien, Wolfou est donc confiant. Oh non, Wolfou est en train de monter. Voilà ton jouet, Wolfou. Je veux aller dehors, papa. Comment les choses vont-elles tourner maintenant ? Rien à voir avec ce que Wolfou avait imaginé. Hein ?
Wolfo. Non. L'impact de la tornade est vraiment terrifiant. Ne t'approche jamais d'une tornade. Tu risques d'être emporté par le vent. Courons après la tornade. Frères et sœurs agaçants. Vous disputez-vous souvent à la maison comme les frères et sœurs Wolf? Game over. Pourquoi est-ce que vous vous battez tout le temps? Tu serais comme moi si tu étais un grand frère. C'est facile. Lucie, viens voir ici. Oui. Voyons à quel genre de frère Buffo va ressembler. Juste saute. Oh non, le premier pas semble être difficile pour Buffo. Céder à sa petite sœur n'est pas facile. Quel sentiment Wolfo éprouve-t-il maintenant, les enfants? Lucie! Lucie! Wolfo avait raison. Être ton frère, c'est fatigant. Arrêtons de nous battre alors. Waouh, tant de types de dentifrices. Lucie était très enthousiaste et voulait l'essayer immédiatement. Arrêtez. Ne pas manger de dentifrices. Regardez, c'est le nouveau dentifrice aux fruits. Le dentifrice, c'est génial. Mais devinez quoi? Comment l'utilise-t-on? J'ai plein de dentifrices avec des goûts différents. Vous voulez essayer? Il s'agit des modèles de produits les plus populaires dans le village de Potton. Les amis, prenons des bonbons aux fruits.
Ce dentifrice ressemble à des bonbons. On peut goûter? Est-il vraiment comestible? Arrêtez! Vous ne pouvez pas manger le dentifrice. Nous examinons également les conséquences possibles. Au revoir. Vous voyez, si nous mangeons du dentifrice, nous aurons mal au ventre. Oh non! On a compris. N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas manger de dentifrice. Oh, pourquoi y a-t-il un panneau interdisant les aliens comme celui-ci? Ne déteste pas Alien, Amy. Oh non, pourquoi Amy est-elle si en colère? Bonjour. Attends, pourquoi es-tu si en colère? Chut, je vais te protéger. Sais-tu pourquoi Amy a une telle attitude envers Alien? Amy! Amy! Oh non! Ne t'inquiète pas, continuons à prendre des photos. Mais Alien n'est pas... Je suis désolée, Amy. Tu vas bien? Ce n'est pas parce qu'il craint la colère d'Amy qu'Alien doit porter un masque lorsqu'il l'aide. C'est ok. Il veut juste t'aider. Eh bien, ce n'était qu'un malentendu. Les enfants, vous voyez ça? Ne jugez pas si vite les autres quand vous ne les connaissez pas bien. Le magasin de pièces détachées. Allez, allez, allez! Cela peut modifier n'importe quelle partie de votre corps. Hey, hey! Je veux la queue de Walfou! Wow! Les enfants s'échangent des parties du corps. Voyons ce qu'il en est. Quel est le choix de Lucie? Pourquoi vous êtes si excité?
C'est sûr que je vais gagner le concours de modèle avec ce look. Lucie pense qu'elle ressemble à Caro. Sera-t-elle aussi célèbre? Oh non, les enfants ont tous les oreilles et la queue de Caro, sauf Dolly. C'est sûr que tu ne pourras pas gagner avec ça. On va gagner, c'est sûr. Dans tes rêves. Et le gagnant est... Dolly! Mais ça devait être moi! Je ressemble exactement au modèle! Pourquoi voulez-vous tous copier sur Look? Elle est belle et cool! Si tout le monde se ressemblait, personne ne serait unique! Compris. Chacun est unique, alors croyons en nous. Nos oreilles et nos queues sont super cool, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Lucie aspire de Wolfou? Pas d'émotion. Je suis rentrée. Lucie! Tu as tout gâché. Lucie doit faire quelque chose pour se racheter. Je suis désolée. Ce vide émotionnel peut aspirer les sentiments négatifs de Wolfou. Il s'avère que c'était l'idée de Lucie. Mais à la manière de Lucie, quelque chose ne va pas. Lucie, essaie d'ouvrir ça. Oh non, Lucie a l'intention d'aspirer toutes les émotions de Wolfou. Maintenant, tu ne peux plus te moquer de moi. C'est ainsi que Wolfou est devenu sans émotion. Oh.
Il n'y a rien de mal à exprimer différentes émotions. Que fait Wolfo? Éloigne-toi de mon papa. Tu restes ici et tu joues avec Wolfo, d'accord? J'arrive. J'ai ce jeu incroyable. J'ai déjà fini ça. Oh, très bien. Attends-moi ici, alors. Oh non, Papa Wolf est tombé. Vite, va aider ton papa. Wolfo était en train de jouer et n'a pas prêté attention à ce que Buffo a dit. Je vais vous aider, Monsieur Wolf. Victoire! Eh bien, Buffo et Papa Wolf s'amusent à laver la voiture ensemble. C'est un plaisir de laver cette voiture avec toi. Je peux aider aussi. Je serai meilleur que toi. Les jeux sont faits. On dirait que Wolfo a du mal à aider papa à laver la voiture. Je vais te montrer. Attention! Il s'avère que c'était une farce de Wolfo. Ce n'est pas bien de faire une telle farce à Buffo. J'étais jaloux parce qu'il t'a aidé mieux que moi. On n'a qu'à relaver cette voiture. Les enfants, n'oubliez pas de ne pas être jaloux et de ne pas faire d'actions qui affectent négativement les autres. Je ne serai plus jaloux et je ferai plus ces bêtises. Waouh! Le jus de basket du docteur. Des expériences de travail de rêve. Non, Lucie! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas le droit d'amener de la nourriture ici. Je vais attendre dehors et regarder. Que va faire le docteur Wolfo? Quelle idée créative! D'accord, viens ici, je vais te montrer quelque chose.
Ils sont vraiment à fond dans leur rôle. Je me sens beaucoup plus forte. Docteur Wolfou va te donner un médicament. Oh non, le docteur Wolfou n'est pas encore hygiénique. Il te faut du sirop pour la fièvre. Oh là 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 là! Vas-y doucement, tu viens de prendre le médicament. Qu'est-ce que c'est? C'est juste... du jus d'orange. Vous n'avez pas respecté les règles. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre de mettre de la nourriture dans les jouets. Vous ne devriez pas le manger ou le boire. Vous l'avez ? On ne leur fera pas.